Voici donc la dernière collection de chez Stamperia qui s'appelle Désir, donc sur le thème du tango. Alors j'ai pas regardé encore l'intérieur, mais je me suis permise d'enlever les sachets plastiques qui font un bruit d'enfer. Donc déjà, j'adore les couleurs, les personnages, la guitare, le couple qui danse, les fleurs, le châle, la robe, enfin tout quoi. Là, alors là, ceux qui font de la danse, et ben vous allez être aux anges. Que c'est beau. Alors, il y a de jolis cadres, bon, avec des textes en anglais. Dommage, mais bon, on peut toujours mettre une petite photo par-dessus, quelque chose pour cacher, si on veut pas utiliser... Sinon, on peut découper ça et utiliser aussi les morceaux qui sont en couverture. Ils sont tellement beaux. Oh, il y a la place du tango. Que c'est joli. Alors là, la place du tango, dans les chipboards, ici, on a la place du tango, là, en carton. Alors, elle est grande parce que, regardez... Elle doit faire 10 par 12 par 12 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, elle est vraiment dedans en entier. C'est vraiment super. Vous avez la chaise, les personnages. Enfin, tout est détaillé. Il y a une photo qui détaille ce que ça contient sur la boutique. Hein. Vous pourrez regarder. Donc là, on a, c'est la place du tango. Là, ça mérite de faire un album en grand. Hein. On a des fonds qui sont superbes. Superbe, superbe, comme d'habitude. Là, des cartes. Donc, 6 cartes en 10 par 15. C'est magnifique. Et à l'arrière... Oh, que c'est beau. Et à l'arrière, regardez, on se croirait dans un jardin andalou, là. Oh là 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 là. C'est l'Andalousie, là, même si c'est pas le flamenco, mais c'est vraiment très, très joli. Ouais. Ah oui, hein, moi, ça me rappelle l'Andalousie, ça. Surtout la guitare. Waouh. Alors là, tango café. Que c'est joli. Oh là 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 là. On va de découverte en découverte. Regardez. La danseuse de flamenco. Ah ben voilà. Je savais bien que ça faisait Espagne. Ah, la Calle del Flamenco. La rue du flamenco. Waouh. C'est très réaliste, hein, ces photos. Vraiment, que c'est beau. Oh là 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 là. Alors bon, ben là, le mur avec défraîchi avec les roses qui grimpent. Toujours les bordures en bas, ici. Ça peut servir. Boudu. Boudu, 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 comme on dit chez nous. On dit boudu, con, que c'est beau. C'est pas un gros mot. Hein. C'est de chez nous. Hein. Oh là 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 là, avec son petit papillon dans les cheveux. Carmen. Oh là 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 là. Les dentelles, les filles, j'ai reçu plein de dentelles, des vraies dentelles comme ça, noires. Waouh. Oh, ça va vous servir si vous en avez acheté. Et tout ce qui est rouge là. Tout ce qui est rouge, rouge, rouge. Regardez ces jolies cartes. Les chaussures pour danser le tango. Sur la place du tango, une vieille voiture. Même, ça fait cubain. Des roses, l'éventail avec le flamenco derrière, la chaussure de flamenco, flamenca et le bandoneon, je crois que c'est ça. Hop, ici on a l'arrière des jolies cartes. Ben voilà. Alors là, on a aussi la guitare et la danseuse avec ses châles. Elle a des châles en fait. Oh, c'est très beau, il y a des notes de musique. Les partitions avec des roses. Ici, on a l'air de tango. L'arche des fleurs. Ah oui. Super. Super, super. Ah, j'aime beaucoup le bleu, là. Alors, c'est celui de la façade, là, du café et de la porte, on dirait. Non, pas tout à fait. De la porte, alors. C'est ça. On est dans les tons, hein, de toute façon. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors là, je dis chapeau à Stamperia, là, vous marquez, vous remontez en estime. Non, mais c'est trop beau ce qu'ils font. Je dis ça, mais celui-ci, c'est vraiment, je pense, un de mes préférés. Qu'est-ce que j'adore, ça. Rien que la paire de chaussures comme ça, avec la rose et cette jolie carte. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regardez ce détail. Voilà, c'est vraiment superbe. Superbe, superbe. Ah là là. Puis j'aime les pois aussi, j'aime les petits pois. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Les mêmes petits pois dans les rouges.
rouge un peu bordeaux, hein. Pas rouge coquelicot. Et là, on a tous les personnages à découper, les embellissements à découper. Alors, bon, bah, je vous conseille les die cuts avec, hein, parce que là, c'est déjà tout prêt. En plus, il y a une petite épaisseur. Alors, avec, vous avez des chipboards aussi, la danseuse de flamenco, la guitare, l'éventail, tout ça, les roses et tout et tout. Et le papier de fond en 30-30. Donc, je pense que ça va être sublime, évidemment. Bah oui, bah voilà. Et ben voilà, oui. Comme le reste de l'autre album, c'est sublime, sublime, sublime. Non, c'est très très beau. C'est beau. C'est beau. 20 sur 20. Allez, je donne 20 sur 20. Waouh. Ah là là. Même si Huawei, celui que je viens de vous présenter, cette nouveauté est très jolie, ben, c'est différent. Et là, c'est plus un thème qui me parle en fait. Hein. La danse, l'Espagne, le flamenco, le tango, ces jolis imprimés, la dentelle, les fleurs, les imprimés vintage. Non, moi, ça me. Oh, qu'est-ce que c'est beau, les fonds là. Regardez ça en détail. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ah là là. Il me semble que j'ai vu ces fonds-là dans une autre collection un peu plus ancienne. Du coup, ces fonds devraient s'assortir avec aussi, s'il vous reste du papier. C'est très très beau. Très très beau, très très beau. Voilà, on a encore des pois, des dentelles, une rose. Regardez comme c'est fin. Et voilà, on finit avec le mur défraîchi. Bon, mais il y a tout à utiliser en fait, toutes les pages, toutes, 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 hein, les couvertures pareilles. Hein. Magnifique. Eh bien voilà, c'est super, super joli, encore plein de belles choses. Eh bien, sur ce, bah, je vais vous laisser rêver avec tout ça, parce que c'est vraiment très, très, très beau. On ne va pas mettre la salade de fruits, mais les petites attaches parisiennes et les brads de la même couleur. Voilà pour ces jolies choses. Bravo Stamperia. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à visiter la boutique. Il y a plein, plein de choses. Si les boîtes à pizza sont de retour, vous avez 50 feuilles en 30-30 pour 20 euros. Donc, par exemple, ce sont toutes des doubles pages, hein, avec des thèmes différents. Vous voyez ici, vous avez du foil, du glitter orangé, cuivré plutôt. Ici, on a des pages d'alphabet, joli alphabet avec bon, des motifs à l'arrière. Ici, façon tableau noir, avec des tons un petit peu verdeau et derrière des étiquettes. Moi, j'aime bien cette page-là. Celle-ci aussi, avec la petite fille, là, c'est trop mignon. C'est super joli. Enfin, bref, il y a plein, plein, plein de pages différentes à l'intérieur. Voilà, ben, écoutez, si... ça vous intéresse, si vous avez du foil par exemple, du or, il y a un petit peu de tout. Voilà, voili voili voilou. Bon, ben ça c'est en ce moment dans la boutique. Allez, je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.